Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le Duster. Alors aujourd'hui les amis, on va attaquer, comme vous avez pu le voir au titre, les amortisseurs. Mais on va pas faire que ça parce que ça fait un bout de temps que je vous dis que je veux vraiment terminer le Duster pour pouvoir faire la Xara. Donc aujourd'hui on va faire les amortisseurs avec les... Donc on change les amortisseurs avec les coupelles d'amortisseurs. On change les biellettes de barre stab. On change les cylindres blocs de barre stab et on fait la vidange avec le filtre à huile et on change le filtre à air. Voilà, comme ça on fait tout dans la même vidéo et on sera tranquille avec le Duster. Donc là, je vais vous faire un petit timelapse pour préparer la voiture, la mettre sur chandelle et tout ce qu'il faut. Et on se retrouve quand on commence les opérations. A tout de suite. Préparer la voiture. Vous me direz ce que vous pensez de ce format. Est-ce que vous préférez que je fasse tout en vidéo toute simple ou est-ce que vous préférez des temps courts et des time-lapse? Vous me direz dans les commentaires. Et là, du coup, on va commencer par desserrer les coupelles supérieures qui permettent de tenir les amortisseurs. Donc, on va les dégager, on va les desserrer légèrement. Mais avant, je vais vous faire écouter le bruit qu'elles font. Comme ça, vous verrez pourquoi je les change. Je peux aller ouais bon de l'autre côté, c'est tant mieux. Donc voilà. Donc voilà pourquoi on va les démonter, on va faire ça. Donc je me prépare ce qu'il faut, je vous dirai ce qu'il faut et je vous reprends les amis. Donc les amis, on va défaire, alors, on va pas les défaire entièrement, hein, bien sûr, on va juste les dévisser pour commencer le dévissage, quoi. J'avais mis un petit coup de dégrippant hier sur chaque tête, mais je sais déjà qu'elles vont se dévisser. Donc, clé à pipe débouchée de 21 et clé à laine de 6. Donc, hop, hop. Alors faites bien attention de bien être dedans. Voilà. Et voilà. Je vais vous débloquer. Alors, vous prenez votre temps. Voilà, parce qu'une fois que c'est... Voilà. Et on va juste les débloquer pour l'instant. Par contre, c'est pas très pratique à mettre. Là. Et voilà. Je regarde si ça tourne en même temps ou pas. Ouais. Voilà. On va les débloquer un peu l'autre côté. La même manip. Voilà. Faites attention de ne pas foirer les pas de vis. Au début, c'est un peu chiant parce qu'on n'a pas beaucoup de battement entre la clé à laine et le. Je sais pas si je peux déjà l'attaquer comme ça. Dévisser légèrement et pour l'instant on va les laisser comme ça et puis on les enlèvera entièrement après. Donc les amis, là on va commencer par mettre, je cherche pas à comprendre, je mets du dégrippant ici, on va en mettre derrière là-haut aussi, hop, voilà, on va en mettre sur les écrous là tout de suite,
Voilà. Alors, j'ai plus beaucoup. J'en mets un petit peu ici pour être sûr que ça se dégage. Moi, j'hésite pas. Au moins, ça évite de nous prendre la tête. Voilà. Cette vis-là, parce qu'il faudra l'enlever aussi. Et normalement, du côté-là, pour l'instant, on est bon. On va aller faire l'autre côté. Donc, pareil, même manipulation. On en met un peu là. Voilà. On en met un peu sur cette vis. On en met ici. On en met pas mal. On en met de l'autre côté également. Bon, vous voyez pas, mais on en met. Ah, j'en ai plus. Je remettrai un peu après. J'arrive, j'arrive. Donc, on a dit qu'on en mettait un petit peu là. On va recompter avec ça, c'est pas très pratique. On en met un petit peu sur celui-là. Alors, on peut faire ça avec du WD-40 ou avec du lubrifiant silicone, ça revient au même. Et puis, sur les deux vis-là, n'oubliez pas. Voilà. Après, si vous la mettez bien, il n'y a pas besoin d'en mettre 15 tonnes. Et comme ça a le temps d'agir, le temps qu'on va aller faire l'autre côté. Donc, les amis, on y va. On va essayer de débloquer ça. Voilà. Je vous mettrai toutes les références des pièces qu'on aura changées, mais je veux être sûr avant de vous les dire que c'est les bonnes, donc je les mettrai en description. On va le garder de côté au cas où qu'il n'y en ait pas d'autres, parce que j'ai pas fait gaffe si on avait un autre ou pas. Comme ça, si on n'a pas d'autres, je remettrai celui-là avec du frein filet. Hop. Et puis en bas, on va faire la même. Du coup, parce que je les enlève entièrement. Alors, si vous faites que les amortisseurs, vous n'êtes pas obligé. Mais moi, étant donné que je vais changer également, du coup, par contre, je ne sais pas, parce que là, on est à l'envers. Là, comme ça. J'espère que je la serre pas plus parce qu'elle est déjà compliquée. Alors, elle n'est pas à l'endroit idéal. Je sais pas si je suis dans le bon sens. C'est chiant quand c'est inversé. Et du coup, vous savez, j'ai une petite technique, c'est de m'aider de ma péteuse. Voilà, faut aller vers dehors. Faut aller vers dehors, donc j'étais bon en fait. Donc, voilà. Hop, on remet la clé. Voilà. Ça commence, n'hésitez pas à faire des allers-retours. Normalement, c'est bon. Okay, on ressort tout ça. On récupère le boulon et on peut sortir. Alors pareil pour ceux qui font que les biellettes, je l'avais déjà dit sur une autre vidéo, ceux qui font que les biellettes de bar stab, pour éviter d'avoir une contrainte sur la barre de torsion, donc la barre de bar stab, et que ça fasse une résistance au niveau des rotules, levez la voiture des deux côtés, ça évitera que vous ayez une contrainte et que vous galériez à la sortir. Là, comme ça, au moins, elle sort toute seule. Donc voilà, vous avez la barre. Et maintenant, je vais la comparer pour voir si c'est les mêmes. À tout de suite, les amis. Donc, j'ai regardé pour la biellette, petite précision, mais on en reparlera après. Donc, c'est la bonne pièce. Donc, ici, ensuite, on va mettre ça comme ça. Vous venez sortir ça. Vous venez sortir
le câble du côté là. Faites attention parce que c'est les câbles ABS. Donc voilà. Ensuite, on va venir prendre, je ne sais pas si c'est la bonne taille. Parfait. Voilà. Ça doit être du 10. Voilà, vous prenez du 10. Hop. Vous voyez, avec le dégrippant, ça va tout seul. Si vous préparez bien vos trucs, ça va pas être grippé, ça ira tout seul. Et ça, on va le mettre de côté. Et puis, on va faire attention de se souvenir que c'est le côté-là. Et la petite vis avec la rondelle, vous la gardez parce que il n'y en aura pas d'autre. Donc, voilà pour ça. Et puis, on va venir dévisser les deux gros boulons de l'amortisseur. Bon les amis, on va défaire les deux vis là. Pour l'instant, le but c'est juste de les desserrer. On va pas entièrement les défaire. On va commencer par celle du dessous. Donc c'est du 18 des deux côtés. Voilà. Hop. On vous fixe bien dedans. Et voilà. Vous défaites les écrous. Pareil en haut. Voilà. Et pour l'instant, vous laissez ça comme ça. On va aller chercher une cale pour éviter que le disque de frein avec le moyeu recule, pour éviter que le pivot en fait recule vers ici et tire sur le cardan. On va aller chercher une chandelle qu'on va placer en dessous. Et on va essayer de venir faire un support. On peut, je vais être trop court, on peut essayer comme ça. Alors attendez les amis, hop, on va essayer de la mettre comme ça, tac. Ah, ça passe pas. Bah écoutez, on va la mettre comme ça. On va voir ce que ça donne. Ah, elles sont pas bien celles-là, elles se tournent. Je préfère les autres. Après, voilà. On va la mettre comme ça en sécurité. Comme ça, même si ça tire un peu dessus, déjà ça descendra pas trop bas. Et puis, on viendra probablement mettre une sangle. Après, je dis ça, si ça se trouve, il n'y aura même pas besoin. Donc, on commence par celle d'en bas. Là. Il y en a qui les enlèvent au marteau, moi je préfère essayer de les enlever à la main. Voilà. Et de une. Et de deux. Voilà, un peu dur. Voilà. Voilà. Et vous voyez en fait, nickel, il est venu se poser dessus. Voilà, comme ça on est sûr que ça bouge pas. Et vous voyez, l'amortisseur est dégagé. Et ici, ça bougera pas. Donc voilà, c'est ce que je voulais. Donc, on va remettre nos deux écrous ici. Normalement ils m'en ont donné des neufs avec, mais je suis pas sûr, donc je mets ça de côté et je mets ça sur le carton. Et puis maintenant que l'amortisseur est dégagé ici, on va aller le défaire en haut. Et ici ça bouge pas, vous avez rien à craindre, ça bougera pas plus. Donc je vous reprends en haut les amis. Donc voilà les amis, donc rappelez-vous, on les avait débloqués en début de vidéo. Donc au moins, ah oui, alors attendez, parce que ça, ça va pas aller. Au moins, comme ça, on va pas galérer de la même manière. Faites attention à bien être enfoncé dedans. Pour pas, voilà. Hop. Bon, ça prend du temps, mais... Parce que
amortisseur, il tourne dans le micro et il tape dans la colle. Alors, quand c'est comme ça. Hop. Là, je l'ai calé comme ça. Voilà. On va voir si ça bouge encore. Fais gaffe que le disque ne tourne pas. C'est bon, il n'y a plus rien qui bouge. Hein. Voilà. Et ma femme va venir finir ici. Et je vais aller l'attraper en bas. Tu veux finir ou l'attraper? Je sais pas quel poids ça représente. Je vais l'attraper. Le fais pas tomber. Je te le dis de manière qu'il va se défaire. Après, du coup, faut le sortir là, maintenant. Parce que là, du coup, il est dans le. Ouais. Alors, désolé, les amis, vous voyez pas tout. Hop là. Tu le tiens? Oui. Et je vais essayer de te dire, ouais, ça a dû claquer dans la caisse. Voilà. Je vais essayer de finir à la main gentiment. On ne peut pas. Pour l'instant, il est toujours vissé, mais fais gaffe, ça va arriver. Après, si tu veux le lever un peu, tu peux peut-être. Hop. Après, heureusement qu'elle est là pour m'aider parce que avec mon dos, être en train de dévisser en haut et de tenir en bas, franchement. Vas-y, on met des coups dans la caisse. Voilà. Normalement, ça va revenir là. Il y a toujours la tige métallique ou pas? On va voir. Parce que je me dis que ça peut peut-être venir. Maintenant, il n'y a peut-être plus trop de résistance. Oui, ça a l'air de venir. Normalement, tu vas l'avoir incessamment sous peu. Ça y est. Tu l'as, c'est bon, c'est pas trop lourd. Fais gaffe, alors, fais gaffe à tous les câbles. Oui, ben, bah, oui, parce qu'il y a le câble ABS qui est bougé de son. Alors, hop, lâche. Attends. On va le passer au-dessus. C'est bon. Attention à toi. Oh, c'est pas si lourd que ça, non. Oh, putain. En plus, moi qui dis faut faire attention avec ces putains de ressorts. Ok. Donc, premier ressort sorti. Ouais, bon, les amis, donc on vous a pas montré le premier amortisseur. C'est la première fois que je le fais sur une voiture. Du coup, j'ai fait ça tranquillement pour le premier. Du coup, on va vous montrer pour le deuxième. Donc, normalement, on se met sur un établi, mais nous, on a réussi à le faire comme ça, donc c'est faisable. Prenez la spire la plus basse possible que vous pouvez, parce que si vous commencez à la spire du haut, avec cet appareil-là, vous ne compresserez pas assez fort. Donc, prenez vraiment la spire la plus basse que vous pouvez. Il y en a qui vont à la clé à choc. Moi, perso, je préfère y aller tranquillement comme ça pour voir si le ressort s'engage bien. Donc, vous y allez tranquillement comme ça. Hop. On a une lumière aussi normalement dans le coin pour vérifier. Sur le disque. Je crois. Parce que on va vérifier que ça se soit bien mis. Ah non, elle est là-haut. Hop là. Voilà, vous vérifiez ici que ça se mette bien. Déjà là ici, je trouve que je suis pas trop bien. Quoique, écoutez, si ça m'a l'air pas mal quand même, on va compresser, on va voir ce que ça donne. Si vous n'êtes pas sûr, n'hésitez pas à recommencer. N'hésitez pas à regarder, à voir si ça bouge déjà ou pas. Alors, apparemment, ça commence à bouger.
prend bien son temps pour le faire, les amis. Ça, c'est hyper dangereux. Voilà, elle est délogée de son logement. Je sais pas si vous le voyez, mais voilà. Donc là, vous savez que déjà, on n'est plus dedans. Donc on presse encore un peu pour être sûr. Et de toute manière, vous voyez, on peut le... Alors c'est un peu lourd. Voilà, si vous le portez, normalement, vous voyez que ça bouge pas. Et après, le but, c'est de ne pas le bouger. Voilà. On peut comprimer encore un peu pour être sûr, pour pas avoir de problème quand on le sort. Et là, vous voyez qu'il est bien libre. Donc là, maintenant, on peut y aller. Donc maintenant, clé de 27. Moi, je vais y aller directement à la clé à choc. Si vous n'êtes pas sûr, vous mettez en 1 comme moi. Voilà, et maintenant on y va gentiment. C'est pas serré très fort. Donc voilà les amis, je vais dévisser tranquillement. Alors les vieilles pièces, je vais les foutre là-haut, ça ne me concerne pas. Hop, et ce qu'on fait, on va mettre la pièce ici. Ici vous avez la butée avec le roulement qui avait l'air bien mort. Butée, roulement et la coupelle. Voilà, on va sortir l'amortisseur. On fait attention avec le ressort et on sort la coupelle. Voilà, ici on dégage le soufflet. Alors on récupère rien, mais c'est juste pour vous montrer. Et là maintenant on peut tester l'amortisseur pour voir ce que ça donne, voir dans quel état il était. Bon, à ma grande surprise, l'autre avait pas l'air mort. Donc on va voir ce que ça donne. Il est un peu mou. Voilà, donc il remonte quand même. Je pense qu'ils n'étaient pas encore en fin de vie. Il a encore de la résistance. Certes plus mou que les nouveaux, mais il a encore de la résistance. Donc pourquoi la voiture tremble autant dans la direction? Est-ce qu'effectivement c'est les silent blocs de barre stable ou les biellettes de barre stable? On verra bien. De toute manière, je change tout et je vous dirai ce que ça donne. Donc voilà, donc les amortisseurs là, bon bah tant pis, maintenant ils sont démontés, on va les changer. Mais pour moi, ils n'étaient pas en bout de vie. Donc voilà. Donc on va faire une coupure, je vais préparer ce qu'il faut et puis on va remonter, on va nettoyer avec ma femme, on va nettoyer le ressort comme il faut, on montrera la différence. On va nettoyer la coupelle en ferraille ici, pareil, on va bien la nettoyer et puis on prépare ce qu'il faut et on revient vers vous. Donc les amis, quand vous arrivez avec vos nouveaux amortisseurs, vous les recevez dans un état similaire. Voilà, donc vous coupez la lanière. Et puis si vous voulez vous défoncer les mains, vous restez à main nue. Si vous voulez pas vous défoncer les mains, vous faites comme moi. Vous mettez un gant. Et maintenant, vous allez amorcer. Alors, est-ce qu'il faut le faire ou pas avant? Il y en a qui disent que ça sert à rien, que ça se fera tout seul. Bon, moi je le fais. Je me dis que de toute manière. Donc maintenant, on va amorcer l'amortisseur en le descendant au maximum. Voilà, vous le descendez jusqu'en butée. Une fois qu'il est embuté, vous le laissez remonter tout seul. Voilà. Et vous faites ça 2-3 fois. Et ça doit devenir de plus en plus dur. Sachant que moi, je ne suis pas très épais. Je fais 60 kg, même pas 55 kg. Que j'ai des problèmes de dos, donc c'est un peu galère à faire. Parce que j'ai beau mettre le poids de mon corps, vous voyez, ça descend pas. Donc moi, je le fais 3 fois. Après, je peux plus.
Voilà. Et en plus de ça, c'est en train de me défoncer la main. Bon, franchement, allez, une petite dernière si j'y arrive. J'arrive pas à aller jusqu'au bout. Si. Et voilà. Avec le truc m'est resté dans la main. Donc ça, c'était une protection. Vous l'enlevez, ça ne sert à rien. Hop. Voilà. Maintenant, on va venir mettre la butée en caoutchouc. Elles sont mieux que celles d'origine, je trouve. Donc vous mettez la butée en caoutchouc. Voilà, vous la rentrez. Et elle va venir se fixer toute seule ici. Voilà. Et là, vous avez déjà le bas de l'amortisseur qui est prêt. Vous pouvez venir l'engager. Hop. Donc, on vient engager le bas de l'amortisseur. Vous y allez délicatement. Vous essayez de préparer déjà. Vous voyez ici, il y a un rebord. Donc vous essayez de préparer au mieux cette partie-là pour qu'elle vienne bien se mettre. Hop. Alors il faudra que je voie ça après parce que l'amortisseur est mis de telle manière que... Voilà. Donc je le prépare comme ça, de toute manière il n'y a pas la partie du haut, donc on va mettre la partie du haut. Tadadam. Donc je mets hop, la partie là, je vais mettre un peu de graisse dessus moi. Alors, chacun fait comme il veut. C'est là en fait où le roulement va venir faire contact. Donc je mets un peu de graisse ici. Hop. Voilà, tout autour. Je tendance à en mettre trop. Écoutez, c'est pas trop grave. On va essuyer le surplus. Hop. Je trouve qu'il y en avait trop. De graisse, c'est pas la peine d'en mettre trop non plus. Hein. Je pense que là c'est pas mal. Voilà. Après, dites-moi si vous auriez mis de la graisse ou pas. Je pense que ça peut être pas mal pour le roulement. Et vous venez remettre la coupelle en ferraille ici. Il faudra bien la mettre pareil au niveau de la tête d'amortisseur, mais ça on verra après qu'on aura tout mis. Ensuite, du coup, une nouvelle coupelle. Du coup, dans le pack pour le butée d'amortisseur, vous avez donc ça c'est ce qui ira au-dessus de la carrosserie. Donc on va se mettre de côté pour l'instant. Hop. Vous avez la butée avec le roulement. Alors pour le roulement, vous ne trompez pas de sens. Vous ne faites pas avoir. Donc le roulement, en fait, le côté arrondi vient à l'intérieur, le côté plat vient, voilà, le côté plat vient ici. Et vous mettez ça comme ça. Pareil entre le roulement. Déjà, ça me paraît pour eux, ça me paraît bizarre. Moi, je vais mettre un peu de graisse aussi. Chacun fait comme il veut. C'est un roulement. Un roulement, ça doit être graissé. Donc ce que je fais, c'est que je vais en mettre un petit peu là. À l'intérieur, voilà, et puis ça protégera contre la pluie. Et je viens graisser. Alors après, est-ce qu'il faut le faire ou pas? Honnêtement, j'en sais rien. Hein. Moi, je pense que ça se fera pas de mal. Ça évitera les bruits, ça chassera l'humidité, tout ce que vous voulez. Donc voilà, je mets un peu de comme ça, une graisse, et je viens mettre le roulement, du coup, comme ceci. Voilà. Et du coup, l'autre côté, il vient se mettre ici. Je vérifie ce que je vous dis. Côté bombé à l'intérieur et côté plat à l'extérieur. Et c'est bon. Voilà. Donc, on vient le remettre comme ceci. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on vient prendre notre écrou. Vous avez vu, c'est des écrous spéciales
chez Dacia. Alors je ne comprenais pas parce qu'en fait quand on vient visser cet écrou, en fait il vient à pied contre le roulement qui est à l'intérieur de la butée. Et du coup la butée n'est pas en appui sur la coupelle. Donc il y a un jeu, je vais vous montrer à la fin comment ça fait. Ça garde un certain jeu qui ne me plaît pas. Maintenant, est-ce que c'est normal ou pas? On verra bien si les vibrations de la voiture sont toujours là, si c'est normal ou pas. Et je vous donnerai des nouvelles dans la vidéo là, de toute manière. Hop. Donc là, on serre au maximum à la main. Et une fois qu'on a serré au maximum à la main, voilà. On va venir mettre là, ici, vous avez des encoches à bien respecter. Alors déjà, l'amortisseur est mal mis. Hop. On va essayer de relever un peu le ressort. C'est pas évident. J'aimerais voir ce que je fais. Évitez de mettre les doigts à l'intérieur, faites pas forcément ce que je fais. Voilà. Déjà ici et ici, il faut remettre l'amortisseur comme il faut aussi. Voilà. Et vous venez, alors là, je vais demander un coup de main à ma femme. Donc voilà. Et vous venez remettre, alors ici vous avez une butée, il faut mettre le bout de l'amortisseur. Si tu veux montrer là ici, il faut mettre le bout de l'amortisseur à l'intérieur. Alors attendez, je vais vous montrer. Voilà, qu'on le mette bien ici dans la butée qu'il y a là, vous le sentirez. Et de l'autre côté, sur la coupelle, vous avez la même chose. Et comme en fait, il faut que j'enlève l'amortisseur, on va le faire avec ma femme. Et on vous reprendra. Ici, vous avez la même chose. Vous avez une espèce de butée juste là. Et ici, il faut mettre le bout de l'amortisseur bien calé dedans. Donc ça, bien faire attention les amis. Donc on va faire ça, on vous reprend quand c'est monté. Donc les amis, on a remboîté l'amortisseur. Donc forcément, on l'a réengagé dans le pas de vis ici, mais il n'est pas vissé entièrement. On l'a juste vissé à la main. Comme ça nous permet d'être sûr qu'il ne tombe pas par terre. Et maintenant, on a réengagé l'amortisseur ici avec les vis. Et maintenant, on va venir serrer. Alors, c'est avec du 18. Hop, on va essayer de faire ça. C'est avec du 18 et vous serrez à 105 Nm. Donc, hop, voilà, et vous serrez les vis à 105 Nm. Hop là, désolé. Après, cette clé dynamo, elle est très bien pour les roues, pour les cardans, mais c'est vrai qu'elle n'est pas pratique sinon pour certaines autres choses. Moi, je commence déjà à les rapprocher les deux. Hop, on va faire celle du dessous. Pareil. Hop. Ouais, là, je bouge pas et finalement, je commence déjà à serrer à la main de l'autre côté. C'est plus pratique. Hop. Ah, on n'a plus de lumière. Voilà pourquoi je veux acheter aussi des spots surprise. Parce que là, du coup, on n'a plus de lumière. On va les embêter pour la suite. Ouais, nous, je pense qu'on va faire une petite pause le temps que ça charge un peu. Peut-être aller se boire un café. Oui. On va aller au bistrot. Hein. Hein? Vas-y. Et on puis, y va à pied? Hein? On y va à pied? Oh non, c'est trop loin. Donc, voilà, on n'a pas encore. On voit plus rien quoi du coup. Donc vous serrez les vis là à 105 Nm les amis. Et une fois que c'est fait, bah, vous verrez la suite. Je vous explique pour ceux qui ne savent pas. C'est un peu long, mais bon. Voilà, on est arrivé. Au moins, le fait de respecter les couples de serrage, vous êtes tranquille. C'est vrai que ces vis-là ne sont pas pratiques à atteindre. Ah, c'est surtout la clé qui est trop grande. Ouais, elle est bien pour certaines choses, mais là, elle est beaucoup trop grande. J'ai pas de. Voilà. Elle est lourde. Hop. Ensuite, vous allez en dessous.
vous rebloquez le contre-écrou de l'autre côté et la même manip. Hop. Puis l'étrier m'embête, du coup j'ai pas beaucoup de débattement, j'ai que deux clics de débattement. Hop là, ça devrait pas tarder. Ah, oh, c'est pas vrai. Presque. Là, mais c'est l'étrier qui m'embête là du côté là. Hop. Voilà. Donc ça c'est fait les amis. Donc on va mettre un peu à charger la lampe, qu'on ait de la lumière et on termine après. Bon les amis, du coup on a tout remis les suspensions. Par contre vous remettez pas les biellettes puisqu'on va les changer nous en tout cas. Donc maintenant on va aller s'occuper des sillons blocs de barre stable. Donc c'est du 13. Donc voilà, vous prenez du 13. Et puis moi j'avais déjà mis du dégrippant, donc pas de souci pour le défaire. Hop. Vous venez desserrer. Après, ce qu'il y a, c'est que c'est des endroits où il n'y a pas beaucoup de place. Mais franchement, sur le duster, je ne vois pas de réelle difficulté pour faire tout ça pour l'instant. S'il y en avait, je vous le dirais. Mais là, pour l'instant, tout se passe bien. Hop. Ça devient facile, mais par contre, c'est encore coincé. Hop. Pareil, je vais vous donner les tailles des... Je vais vous donner les tailles des sillons blocs en espérant que j'ai les bons. Moi j'ai pris du 18 parce qu'il y a du 18,5 et il y a du 11 je crois. Mais par rapport à ce que j'ai regardé, normalement si tout est bon, parce que le problème c'est que c'est un véhicule d'occasion et que je sais pas ce qui a été changé, pas changé. On a l'impression qu'il y a des pièces qui sont pas forcément d'origine sur ce véhicule. Ça me fait un peu penser à la Xara. Donc c'est aussi bien qu'on remette en état nous-mêmes, au moins on sait où on en est, ce qu'on a fait, et qu'on arrivera au contrôle technique, ça sera pas mal. Après comme je dis, je fais ça parce que j'ai un tremblement, moi pour ma part, qui est désagréable. Quand je suis sur autoroute et sur route nationale, j'avais un tremblement, une vibration dans le volant qui ne me plaisait pas. Et quand je passais de la marche arrière à la marche avant ou inversement, j'avais des claquements au niveau des coupelles de suspension. Donc j'ai pas cherché, j'ai dit on change tout, tout sera fait. Alors les vis là, oui, sont un peu longues, puisqu'elles prennent dans le berceau. Hop, voilà, on commence à pouvoir les défaire à la main. Oh, quoique, elles sont pas si grandes que ça, par contre elles sont bien rouillées. Hop, mon vis de 13. On va défaire celle à l'arrière aussi, du coup. Je vois pas si... Voilà. Il n'y a pas beaucoup de place. Ça. Après, j'ai pas enlevé le cache. Ah oui, je vous l'ai pas dit. Il y a le cache là que vous pouvez voir sur le côté que j'ai enlevé. C'est juste un petit ergo en plastique à dévisser. Donc rien de compliqué. Et puis après, vous enlevez le cache et voilà. Je pense que celui qui change ses biellettes de barre stable, il sait enlever un cache de par bout. Je pense qu'il n'y a pas de souci là-dessus. Et vu le nombre de vidéos qu'on a déjà fait, je ne vais pas m'éterniser sur les choses là. Je vous reprends quand aller dévisser la vis, les amis. Les amis, petit détail. Donc j'avais acheté, comme vous pouvez le voir, des sillons blocs de marque Febi Bilstein. Alors c'était du 18 en diamètre. Malheureusement, ils sont trop petits pour la barre stable que j'ai. Pourtant, c'est bien ce qui était préconisé. Donc...
J'ai quand même un doute là-dessus. Du coup, j'ai calculé, c'est du 20 apparemment qu'il me faut. Du coup, j'ai pris la référence pour regarder si c'est bien du 20 ou du 19, mais quoi qu'il en soit, le 18 est trop court. Donc, j'ai deux cylindres blocs tout neufs. S'il y en a qui ont besoin de cylindres blocs en 18, que ça intéresse quelqu'un, bah écoutez, vous me mettez un petit message dans les commentaires. Et puis, écoutez, celui qui les veut pour 5 balles, je lui file pour 5 balles, quoi. Donc, on s'arrange, je donnerai mon lien PayPal et puis celui qui les veut pour 5 balles, bah, je lui envoie par la poste. Donc voilà, à vous de me dire, les amis. Donc, les amis, on va passer aux biellettes de Barstab. Donc, celle-là, côté conducteur, je ne sais pas si vous Non, le faut la poser verrez. par terre, on voit Alors, mieux. on va essayer de vous la mettre de façon à ce que vous voyez. Je ne sais pas si vous allez vous apercevoir, peut-être comme ça. À ce niveau-là, elle est arquée. Elle est complètement tordue. Et ça, jusqu'à temps que je démonte, honnêtement, à vue d'œil comme ça sur la voiture, je ne l'avais pas vue. Je ne l'ai vue que quand on l'a mis par terre. Celle-là, donc côté passager, est droite. Si on les met à peu près, voilà. Admettons qu'on les mette comme ça. Je ne sais pas si vous verrez la différence. Elle doit se voir quand même, je pense, à Peut-être l'écran, elle un se petit verra. peu. Donc, déjà, celle-là est tordue. Sinon, en ce qui concerne la longueur, c'est bien les mêmes. Et deuxième chose, donc ici, vous voyez que j'insiste bien dessus quand même. Après, je ne veux pas les bouger pour l'instant, je les bougerai tout à l'heure, je sais que c'est faisable. Donc celle-là, elle ne bouge pas du tout, les rotules, donc ce qui est normal, hein, parce qu'elles sont neuves. Celle-là était quand même, voilà, à bout de doigt. Donc des deux côtés, il n'y a plus aucune résistance. Donc je pense que ça fera vraiment du bien aussi. En ce qui concerne les tremblements, ça peut jouer énormément. Donc vous le saurez, les biellettes de Barstab. Pourtant, quand j'ai essayé sur la voiture, hein, on dit de les vérifier en faisant ça, pour voir si justement il y a du jeu. Sur la voiture, posée sur la voiture, elle n'avait absolument aucun jeu. Donc comme quoi, des fois, si vous avez des tremblements, je vous conseille de changer par ça, parce que je suis sûr que ça va grandement jouer. Et cette biellette, par contre, qui est tordue, alors soit la voiture a tapé un trottoir, soit je vois pas trop, mais qu'elle soit tordue, c'est de toute manière mauvais. Donc allez, on se change ça, les amis. Excusez-moi, on va mettre un peu de lumière. On va vous garder, je pense que ça devrait aller vite. Hop. Donc vous enlevez l'écrou, vous le mettez de côté, vous enlevez le deuxième. Hop. Vous prenez votre biellette. Ouais. Bonne question. Par contre, je ne sais plus comment elle était positionnée. Ici. C'est ça, Kerr. Dans quel sens? Je ne sais plus. C'était là en bas. Voilà. Et vous venez en mettre votre biellette ici. Voilà. Hop. Et une ici. Voilà. Et puis vous prenez vos deux écrous et venez les remettre. Hop. On en met un là et l'autre en bas. Elles sont déjà freinées, donc pas besoin de frein filet ou quoi que ce soit. Tout est déjà paré. Hop. Alors vous allez dire oui, mais pas de graisse. Si, si, je mets de la graisse, mais pas n'importe où. En l'occurrence, je veux pas qu'elles se dévissent. Donc comme elles sont freinées, je mets pas de graisse là. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre après sous le filetage, histoire de protéger contre la pluie et que ça puisse pas rouiller. Donc voilà les amis, après j'en mets pas spécialement sur tout le filetage parce que je ne veux pas que ça puisse se desserrer en roulant. Donc voilà les amis, j'avais déjà accroché un peu la vis histoire que vous voyez. Donc pour resserrer la vis du haut, c'est plus simple que celle du bas. C'est pour ça que la plupart de ceux qui filment ne montrent pas celle du bas. Celle du bas, il suffit de prendre le côté, moi j'ai pris le côté là pour celle du bas. Et vous y allez avec patience pour pas foirer le filetage. Et celle du haut. Voilà, vous y allez comme ça avec une petite clé Allen pour coincer l'empreinte de la vis. Et vous serrez ça à 21 Nm. Donc la plupart du temps, très peu de personnes ont les clés dynamo pour. Donc vous faites un serrage, blocage à la main avec vraiment pas beaucoup de force, quoi. Vous bloquez pour être sûr que c'est bloqué, quoi. Donc hop, je vais vous montrer. Voilà, par exemple, je suis arrivé en butée. Bon bah. C'est pas compliqué, je vais mettre ma petite clé comme ça. Ça se serre pas très fort. 21 Nm. Voilà. Moi, pour moi, là, je suis bloqué. Je mets un petit coup en plus pour être sûr. Hop.
Là, franchement, vous êtes bloqué. En plus, c'est du freiné, donc ça ne bougera pas. En bas, pareil. Donc voilà. Donc, on va faire la même chose de l'autre côté. Là, on a remonté le cache. Et puis après, il nous restera la vidange et le filtre à air à faire. Donc voilà. Bon, les amis, bien sûr, n'oubliez pas de remettre, je le précise quand même, n'oubliez pas de remettre tout ce qui est flexible. Donc, la petite, rappelez-vous au début de vidéo, la petite patte. D'ailleurs, que je suis en train de monter à l'envers. Donc, faites bien attention à ça. Voilà. C'était dans le sens là. Tac. Alors, voilà. Et n'oubliez pas de remettre ça et de remettre les flexibles. Donc je vais le faire pareil, je pense que vous avez compris. Vous serrez ça à la clé de 10, vous le bloquez au maximum, ça ne serre pas très fort et vous remettez vos câbles là-dessus et ici pareil. Voilà les amis, à tout de suite. Bon les amis, comme on va redescendre la voiture après pour faire chauffer le moteur, peut-être rouler avec et faire la vidange, on va vous montrer tout de suite les coupelles de suspension comme on vous avait fait écouter au début. Franchement, j'avais peur qu'il n'y ait pas de changement, mais déjà, il y a une bonne chose. Regardez, on va tourner les roues. Je pense qu'il va falloir que tu reprennes la clé. Alors attendez, ne bougez pas, je prends la clé. Et tu le... Et par contre, tu le vois même pas que je tourne les roues. Voilà, là je tourne les roues de gauche à droite. Donc déjà, il y a zéro bruit. Voilà. Donc déjà, peut-être quand même bonne chose déjà. Il y a zéro bruit à ce niveau-là. Bon après, attention, elles ne sont pas serrées au maximum, donc je vais les resserrer après. Mais ça peut être déjà une bonne chose. Donc là, on va redescendre la voiture et puis on va faire la vidange après. Bon les amis, je vais juste vous montrer un truc. Donc, pour faire la vidange, c'est ce carré-là. Par contre, je ne sais plus c'est un combien. Donc, vous savez que c'est déjà un carré pour la vis de vidange. Et après, moi, ce que je fais, pour éviter d'avoir enlevé la plaque tôle, je fais un entonnoir avec un cul de bouteille comme ça. Et voilà. Et là, maintenant, alors je précise, l'huile, je l'avais fait chauffer. On a été essayé pour les amortisseurs. Donc, pour les amortisseurs, tout va bien. Donc, voilà. Maintenant, on va laisser un peu s'écouler. Hop. Hop. Donc on va laisser s'écouler un petit peu. On a fait chauffer. Putain, j'ai foutu de l'huile partout. Bon, ça, évidemment, c'est le truc qui m'énerve. Et ici, pareil, j'avais ouvert pour faire un appel d'air. Voilà, et vous voyez, c'est encore chaud. Par contre, faites gaffe de ne pas vous brûler. Et donc maintenant, bah, on va laisser bien s'égoutter. Et puis on va s'occuper du filtre à air en attendant. Donc les amis, je vais essayer de filmer en même temps. Je vais enlever, donc pour atteindre le filtre à air, pour ceux qui ne savent pas, vous enlevez le capteur ici et vous enlevez ici la vis du collier du débitmètre pour pouvoir sortir toute la boîte ici en fait. Donc on va voir si on peut, voilà, desserrer ce petit capteur là ici. Hop. Après, j'aurais pu le débrancher, mais moi j'aime bien l'enlever comme ça, donc je m'embête pas. Voilà. Hop. Voilà, on enlève le capteur. Par contre, la vis, je la remets dessus en attendant. Hop. Voilà. Alors le moteur est un peu chaud. Alors je vais pas le remettre entièrement de toute manière. Ensuite, vous venez enlever la petite prise qu'il y a là. Du coup j'y arrive même pas. Donc voilà, donc pour débrancher le débitmètre, ouais, c'est juste vous appuyez sur la prise et vous tirez, mais bon là elle avait un peu de mal à s'enlever et comme j'ai les mains grasses, j'ai galéré. Voilà, ici vous n'hésitez pas à dévisser au maximum parce qu'il y a des petits ergots qu'il faut que ça sorte pas forcément tout de suite. Voilà,
Et vous n'oubliez pas d'enlever la durite ici. D'air. Voilà, elle se déboîte juste. Et maintenant, on peut libérer tout ça. Hop. Ensuite, ici. Et ensuite, on va le chercher ici. Voilà. Voilà. Du coup, on va s'occuper du filtre à air. Bah, ces quatre petites clés Allen, clés Torx. Alors les amis, petit coup de gueule, comme beaucoup de fois. Ça, c'est le filtre à air de la voiture. Je vais chez Feu Vert, et là, je dirai clairement la marque, parce que franchement, ça commence à me saouler, des incompétents comme ça. Vous allez chez Feu Vert, ils n'ont rien dans le magasin, parce qu'ils sont en train de refaire le magasin, certes, ça se comprend. Donc du coup, vous allez au guichet atelier, en leur demandant un filtre à air pour votre voiture, il vous demande la plaque de la voiture, vous faites ce qu'ils vous disent, vous lui donnez la plaque de la voiture. Le mec, il dit oui, pas de souci, je vais vous en chercher un, il va me chercher un filtre à air pour la voiture, voilà ce qu'il m'a ramené. Moi, je lui ai fait confiance, je n'ai pas vérifié devant lui, je lui ai fait confiance, voilà ce que j'ai acheté. Et ça travaille chez Feu Vert. Et franchement, quand je dis que ça me casse les couilles, les mecs qui travaillent en garage et qu'en fait, ils connaissent rien du tout, et toi, t'arrives et tu t'y connais mieux qu'eux, et finalement, on ne prend pas sous prétexte que t'as pas un putain de diplôme. Et eh ben ouais, ça me casse les couilles. Et là, franchement, je le dis, désolé. Désolé pour tous ceux qui regardent la vidéo, c'est pas contre vous. Mais comprenez qu'au bout d'un moment, on en a marre. Après, on s'étonne qu'on veut plus emmener nos voitures au garage. Mais vous êtes des bons. Et franchement, j'espère que des mecs de chez Feu Vert, ou même Noroto, parce que pour moi, c'est les mêmes. Franchement, vous êtes des branquignoles. Vous êtes des merdes, les gars. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Et je suis désolé. Et désolé pour tous ceux qui regardent la vidéo. S'il y en a un qui travaille chez Feu Vert, qui regarde ma chaîne, bah, il peut se désabonner, j'en ai rien à foutre, j'en ai ras le cul. Pourquoi? Parce que moi je suis client, je vous fais confiance les gars, et à chaque fois il y a des couilles comme ça. À chaque fois que je viens chez vous, que j'achète une pièce, c'est pas la première fois, je retrouverai des exemples. Je vais pas dire des conneries, des mensonges, donc je vais pas dire des exemples qui sont faux. À chaque fois que je viens chez vous, il y a une saloperie. La dernière fois j'ai acheté des pièces, je sais plus c'était lesquelles pièces. Je crois que c'était pour une histoire de plaquettes de frein. C'était pas les bonnes non plus. À chaque fois, il y a des trucs, les gars. Ça commence à me saouler. Sérieusement, désolé pour ce coup de gueule. Mais là, aujourd'hui, bah ouais, ça m'énerve. En plus de ça, j'ai jeté le ticket de caisse. Alors, donc, finalement, bah, je ne me le ferai pas rembourser. Ça me saoule. Voilà. Je vous reprends, les amis. Ça m'énerve. Bon, les amis, on a fini le Duster. Alors, je ne vous ai pas filmé, certes, la vidange en entier. Je ne vous ai pas filmé non plus, je crois pas, le changement du filtre à huile. Mais honnêtement, bon, on commence à être fatigué. Je commence à avoir des douleurs dans le dos, ma femme elle était crevée aussi, donc on s'est dépêché, je voulais absolument tout faire le même jour. Pour faire la conclusion avec vous, la contenance pour l'huile, alors j'ai pas, je vous montre ça tout de suite, l'huile pour la vidange, prenez bien de la 530, voilà, c'est de la 530, après vous prenez ce que vous voulez, de toute manière c'est bien marqué pour les véhicules avec FAP. Contenance pour faire la vidange, alors avec la capacité, en comprenant le changement du filtre à huile, c'est 4,5 litres. Vous pouvez mettre 4,5 litres les yeux fermés, il n'y a pas de souci. Et puis après, ce que vous faites, vous laissez tourner la voiture et vous attendez, je sais pas, un trajet. Vous allez faire un trajet, vous vérifiez votre niveau quand même, mais 4,5 litres sur, vous êtes tranquille. Ensuite, je vous avais dit que je vous parlerai des pièces. Donc pour les biellettes de bar stab, c'est les TC. Alors c'est les TC2373. De toute manière, je marquerai tout dans la description. Voilà. Donc la référence de la biellette, c'est TC2373. C'est les deux mêmes références, puisqu'il n'y a pas de côté gauche et droite. Donc vous prenez deux fois la référence là. Pour les kits de butée d'amortisseur, c'est les SM, alors en kib, si vous prenez du kib bien sûr, c'est du SM1528. Voilà, SM1528. Et vous prenez pareil deux fois la même référence. Il n'y a pas de gauche et droite. Et pour les amortisseurs, eh bien c'est des kibs aussi que j'avais pris. Et la référence, je pense qu'elle est là où je... Normalement, c'est celle-là.
J'en vérifierai sur internet. Si je me suis trompé, je vous le remarquerai la bonne sur dans la description. Mais logiquement, c'est la... c'est les 338-737. 338-737. Mais ça, c'est pour l'unité. Et moi, j'avais eu le... je vous mettrai la référence parce qu'ils sont vendus directement les deux ensemble. Donc, je vous marquerai la référence des deux pièces ensemble. Je pourrais même vous faire un lien directement vers les produits. Parce que là, ouais, c'est amortisseur Kib 338-737. Donc, voilà. Au moins, vous avez la référence des pièces. En ce qui concerne le filtre à huile, si, je l'ai là, donc je peux vous le donner. Le filtre à huile, c'était du Purflux, c'est du LS933, pour ceux qui veulent. Et alors, par contre, il y a deux modèles. LS933, là, c'est la version courte, parce qu'il y a un filtre qui est plus grand que l'autre. Moi, c'est la version la plus petite. Faut savoir si vous avez le Start and Stop sur la voiture, apparemment. Si vous n'avez pas le Start and Stop, vous prenez le LS933. De toute manière, pour rappel, la voiture, c'est un Duster 1,5 litre DCI en 107 chevaux, pas 109, pas 110, parce qu'il y a plusieurs versions. C'est le 107 chevaux, année 2010-2011, et c'est le moteur K9K 896. Voilà, boîte 6 vitesses en 2 roues motrices. Ce n'est pas un 4x4, c'est un 2 roues motrices. Donc voilà, à part ça, quoi dire de plus? Le joint de vidange. Le joint de vidange, pareil, c'est du diamètre 16. Alors, je vous montre une petite chose à savoir. Hop, vous avez... voilà, alors c'est peut-être pas la même taille que je vais vous montrer, mais c'est pour vous montrer la forme, le délire. Voilà, vous avez deux sortes de joints qui existent. Et je ne savais pas à quoi ça servait. Vous avez les joints cuivre et les joints comme ça, style alu. Et en fait, faut savoir que ceux-là, c'est pour les carters acier, je crois. Si je ne me trompe pas, voilà, acier, je crois que c'est en acier. Et en fait, les nouveaux joints comme ça qui font, moi j'ai pris ceux-là parce qu'il faut savoir que c'est pour les carters alu. Sur les carters alu, vous mettez les joints là. Et pas les joints en cuivre. Après, vous pouvez, apparemment, ça dérange pas plus que ça. Mais si vous avez un carter alu, vous mettez un joint comme ceci. C'est du diamètre 16, les amis. Donc, voilà. Donc, voilà, les amis. Donc, bah écoutez, on a fini pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez me laisser un petit don, un petit commentaire, vous pouvez le faire dans la description, en dessous de la description. Et si vous voulez me laisser un petit don, il y a mon lien PayPal. Ça me permet de continuer à m'équiper. On va bientôt pouvoir attaquer la Xara. Ça va faire plaisir. Et quoi dire de plus? Compresseur de ressort, franchement aussi nickel. Si vous avez besoin, je vous montre juste. Autant que je vous montre. Moi, j'avais pris celui-là. C'est le TK, T4. Donc, franchement, nickel aussi. J'ai pas eu de soucis. Donc, je vous montre quand même. Voilà, c'est celui-ci. Donc, vous le trouvez facilement sur Internet. Après, franchement, ça n'a pas bougé. Je suis content. Si, petite précision, juste, voilà. Donc, on a essayé la voiture. Franchement, c'est beaucoup mieux qu'avant. Mais il y a encore un léger tremblement. Je précise, bien sûr, effectivement, après avoir fait ça, faites un parallélisme. Moi, je pense que c'est histoire de faire un para. De toute manière, le volant, la voiture, elle tire encore. Le volant n'est pas droit. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Ça s'est amélioré. Mais je pense qu'un bon para derrière et c'est bon. Donc voilà les amis, sur ce, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Certes, j'en sors pas toutes les semaines. Moi, je sors des vidéos quand je dois intervenir sur mes véhicules. Quand il y aura la Xara, on fera plus de vidéos sur plus d'amplitude, je pense. Voilà, allez, sur ce, à très bientôt les amis. Ciao.